Bonsoir tout le monde. Je me présente Michael Lichersitz de Moon Sun Music. Bienvenue au studio de Creative Nation à Laval. Je suis super content de vous voir ici présent et en ligne. C'est avec une très grande fierté qu'on vous présente un album qui nous tient beaucoup à cœur. Une artiste qui nous tient à cœur. C'est ce soir qu'une carrière d'une grande chanteuse country commence. Je vous présente accompagnée de ses musiciens. Emmanuel Boucher. Vers le nord, sans but, sans effort, j'ai lâché prise. Il y a de ce vilain haut, j'avais décidé de suivre le vent. J'ai senti la brise comme un second souffle pousser vers la rive. Je n'ai plus de doute, tu étais là. Quand je suis arrivé, les jeans, les bottes, le pick-up truck, j'suis tombé. En amour. All right. Right on fast lane, j'ai tourné la page. Fais mes bagages, cause now I know. Souvenir cowboy, à qui l'aurait cru? J'ai jamais voulu d'un cowboy. Walk on my feet, yeah, head over heels pour un cowboy. Ma basse n'a pas d'air, oh no. J'ai jamais voulu d'un cowboy. Off on my feet, yeah, head over heels for a cowboy. A qui l'aurait cru? J'ai jamais voulu d'un cowboy. Off on my feet, yeah, head over heels for a cowboy. Ma masse va pas faire, oh no. À la maison aussi, merci d'être là. C'est spécial, un premier album, hein? Un premier lancement d'album, parce que ça fait des... Ben, pas des années, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même une couple d'années que je chante les chansons des autres, que je raconte les histoires des autres. Puis pour la première fois ce soir, je vous présente mes histoires à moi. Comme dans le temps, quand on partait, ma soeur, mon père, ma mère, mes tantes, mes grands-parents.
Puis qu'on t'enlève se promener l'été, faire des étés au camping Pain Vert. Matin en pyjama, en rose et en lila, tous les deux, à se raconter qui était là dans nos rêves, nos parfaits amoureux. Tout dans la maison, derrière un mélange de café et d'amour, dans le salon, qui attendait que l'été accourt pour nous emmener au camping de Pain-Bas, où on a bu notre première bière. Danser dans les rues, ça ne l'effrayait pas. Le sourire fendu jusqu'aux oreilles, à mourir de gêne, à aimer ça pareil. De réparer nos cœurs brisés d'amour, à attendre que l'été à chanter, mais il y a une partie qui s'en vient où on va avoir besoin de votre aide. C'est facile, faut juste chanter avec nous. Vous êtes prêts? Joe, t'es prête? Nanana, 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 nanana. Et là, ça va être votre tour. On veut vous entendre, OK? C'est parti! Nanana, 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 nanana. Et là, on le fait une dernière fois, mais vraiment plus fort que ça. Nanana, 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 nanana. All right. Au camping des pins verts, où on a bu notre première bière, où autour du feu de camp on n'avait plus d'air. Un premier album, laissez-moi vous dire que c'est pas le rêve qu'on pensait quand on était jeune. Hein. C'est du travail faire un album, puis il faut une très, très grosse équipe pour faire ça. Puis je veux remercier toutes les gens qui ont participé de près ou de loin à l'album, mais il y a d'autres gens aussi qui sont ici ce soir que je veux remercier. Marion Prinel qui a composé, qui a écrit en fait avec toi, avec Andy Roubal, et Marie-Lou Martin. Marie-Lou Martin, ce phénomène. Faut savoir qu'elle a composé toutes les chansons de l'album, sauf avec toi. Puis pour moi, c'est vraiment la perle rare. Marie-Lou, c'est vraiment... J'y raconte des histoires, puis elle me revient avec des chansons.
puis c'est exactement comme ça que je voulais les chanter. Alors, Marie-Lou, merci tellement. Merci de faire partie de ma vie, puis j'espère que ça va durer longtemps. La prochaine chanson, c'est vraiment une chanson. J'espère que ça va devenir la prochaine danse en ligne du Québec. Alors, voici classique. Tout de suite, j'ai fait mes devoirs. Oh ouais. Je connais mes classiques et toutes les histoires. Oh. J'ai compris ce vite, tout est dans le regard. Hey yeah. T'es peut-être la perle rare, but from what I know, les loups sont quand il fait noir. Juste arrêter d'y croire. All right. Non, y'a pas de compte de vie, y'a pas de deal au trésor. Oh non. Y'a juste des belles paroles. Si elles ne sont pas en chanson, elles se perdent avec le temps. Si t'en écrivais une coupe, peut-être que j'arrêterais de te comparer à ceux d'avant. Vite, hein? Ça passe vite une petite soirée comme ça. La prochaine chanson, j'irai pas jusqu'à dire que c'est ma préférée parce que je les aime tous, mais celle-là, elle a un petit quelque chose de particulier. Hein? Celle-là est un peu plus touchante parce que c'est une chanson qui a été écrite pour mon papa. Faut savoir que mon père, c'est mon voisin, c'est mon propriétaire, c'est... name it, là. Si je manque du lait, je l'appelle, hein? Puis tout le long du processus de l'album, souvent le matin, je l'appelais à 6 heures, j'allais y faire écouter les maquettes, ils écoutaient aussi lui qui me textait, viens prendre un café. Mais il y en a une en particulier que je voulais pas y faire écouter parce que c'était une surprise, tu sais, je voulais qu'il y ait une surprise pendant l'album. Fait qu'on a décidé de la finir, puis de l'inviter au studio, puis là, d'y faire écouter. Puis gars, on s'est gâtés, on l'a filmé, puis ça a donné quelque chose comme ça. On vous laisse sur des images.
J'étais toute petite, mon père c'était le plus fort. Non, il y avait rien qu'il ne pouvait pas réparer. Depuis j'ai grandi, mais je n'avais pas si tort. Tu me l'avais dit, je vais faire de mon mieux, promis juré. Ce qui cloche avec ça, c'est qu'il y en a plus des comme toi. T'as mis la barre trop haut. Tu nous en faisais croire. Nous vous en faisais croire. Ça n'a pas tant changé quand on chill tous les trois. On se sent encore comme les plus importants pour toi. Ce qui cloche avec ça, c'est qu'il y en a plus des comme toi. T'as mis la barre trop haut. Déjà rendu à la dernière chanson de la soirée. C'est là où je vous fais mes remerciements. Mais j'en ai une coupe à faire. Fait que je vous les ai écrits. C'est la première fois que je fais ça. Habituellement, on voit ça à la télévision. Là, j'en ai des remerciements à faire. Premièrement, je veux vraiment remercier Pierre. Pierre de chez Creative Nation, merci de nous laisser avoir le studio ici pour faire ce lancement-là. Merci. Au début, on avait été visiter des salles, puis on regardait ça. Puis on se disait, c'est cool, mais... c'est un premier album, un premier lancement, puis je suis toujours ici, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On s'est dit, pourquoi ne pas faire ça à la maison? Alors, ce soir, merci Pierre, Creative Nation, de nous laisser réaliser mon rêve dans vos studios. Merci NP Décor, merci Nat pour les décorations. Merci en arrière nos commanditaires, Wabasso, Micro Tournée, Bière à l'affût. Merci Sync Production pour le miroir. Je ne sais pas si vous avez pris des photos déjà. Sinon, après le lancement, allez en prendre, hein, puis je viendrai en prendre avec vous. Un gros merci à Carl Bazinet. Carl Bazinet, je sais pas, il doit se demander en ce moment, mais pourquoi je le remercie pour le lancement. Carl Bazinet, merci beaucoup de nous avoir présenté Julie Lamoureux. Moi, dans la vie, je pense que pour faire des projets, il faut savoir s'entourer de la bonne équipe. Et Julie Lamoureux, c'est une perle. Communication, Julie Lamoureux, merci beaucoup de faire partie de mon équipe. Je suis très choyée. Un gros merci à Torpille pour le tracking radio, Musique Action pour réaliser nos rêves. Merci aussi à l'équipe technique qui sont là depuis hier, depuis lundi, on travaille là-dessus. Hein? Marion Brunel, Pierre-Luc Thériault, Fred Lebel, Hubert Gagnon, Frank Joly, Mylène, merci beaucoup à l'accueil. Vincent Côté, Joe Bordolo qui ne peut pas être là ce soir, mais qui fait un très, très gros travail sur mon projet. Et je crois que je suis rendue au dernier remerciement. Mike, si ça te tente de venir en avant, viens-t'en.
On s'est dit tantôt, faut essayer de le faire pleurer, là. On peut pas. Mike. Oh, yes, sir, on a réussi. Tu sais, dans la vie, il y a des projets qui se font parce qu'il y a une personne qui croit en toi. Ben j'ai trouvé cette personne-là parce que c'est Mike qui a décidé de dire « Go, Manny, on y va. » Puis on va le faire, ton album, puis on va aller jusqu'à où tu veux aller. Fait que merci, Mike. Merci d'être dans ma vie. Merci pour l'album. Merci. Oh. Alors, on est déjà rendu à la dernière... On est rendu à... Faut savoir qu'il y a Pierre-Luc qui me parle dans mes oreilles depuis tantôt. Il dit n'importe quoi. On est rendu à la dernière chanson. On est prêt? Big Boat. All right. Me montrer tes cartes que tu sais bien jouer. Je vais pas me prêter au jeu juste pour t'amuser. Oui, c'est vrai, je l'ai vu, tu sais bien parler. Mais quand la lumière se ferme, sais-tu comment aimer? Oh, oh, nanana, oh, oh, ah. Oh, un nouveau char, je devrais tomber alors. Ou pour le bleu de tes yeux, si tu y crois si fort. You think you got it, oh, tu penses que tu l'as. Mais quand le spotlight se ferme, faudra te couper, moi j'ai rien à faire. Quand je suis tombée dessus, tu dois te tromper de vie avec des pick-up lines. Et y'en a qui font la file, well, I'ma leave you behind. Sous mon débateau, monte sur tes grands chevaux. Tu les fais marcher juste pour les ignorer. J'en ai trop vu. Au moment où je présente la gang, le band qui m'accompagne ce soir. Ils sont beaux, sont belles, sont merveilleux. Le premier que je vous présente, t'as pas de pression, Joe. Fais du bruit! Pour Jonathan Largis! Faire chaud ce soir. Aïe. À la voix, mon ami Joanie Goyette. Je suis vraiment chanceuse de l'avoir ce soir et très contente. Faites du bruit pour Sarah Jasmin!
Et je termine ça. Le dernier, mais non le moindre. À la direction musicale, à la batterie. Fais du bruit pour Antoine Côté! Je pensais que c'était fini, hein? Est-ce que vous en voulez encore? Ça fait tellement longtemps qu'on voulait jouer cette chanson-là. Il y en a un que je vous ai pas présenté. Faites du bruit pour Jimmy Lane! Feet. Yeah, head on.